Je suis avec Kevin Borgel et Monsieur Piasco, respectivement l'entraîneur et le propriétaire, plutôt les anciens entraîneurs et propriétaires de Cambura. Souvenez-vous de cette toute bonne Cambura, de Fidel Tirato, qui vient d'être vendue 220 000 euros, c'est bien ça. Kevin, votre première réaction ? Beaucoup de plaisir, beaucoup de stress qui d'un coup s'évacue. Donc on est très content. L'opération est belle du départ à l'arrivée, donc c'est fabuleux. Monsieur Piasco, justement, racontez-nous l'histoire de cette pouliche. Moi, c'est M. Borgel qui me l'a fait acheter à réclamer au mois de juin. Je l'ai acheté avec LH, parce qu'on est deux dessus en fait. Et du coup, elle ne nous a apporté que des satisfactions. Puis bon, là, on a fait un bon coup pour renouveler, en fait, pour développer notre effectif. Vous êtes propriétaire depuis longtemps ? Depuis un an, un peu plus d'un an. C'est très bien ça. Oui. J'ai 12 chevaux chez M. Borgel. Merci Grégoire. Beaucoup de 2 ans et je vais un peu développer, voilà, c'est pour ça. Très bien, très bien. Et expliquez-nous un peu comment elle était le matin, l'entraînement, la pouliche. C'est une pouliche très généreuse, un petit peu tendue, énormément de cœur et de générosité. Je pense que c'est une pouliche, j'ai réussi à l'avoir parce que je l'ai mis dans une routine. Donc elle a pu se détendre et garder tout son influx pour les courses. Merci, bravo à vous encore. Et puis on va suivre encore avec attention l'an prochain parce qu'elle a que 2 ans, cette Cambura, une fille de Littirato qui, je vous le rappelle, était quand même gagnante de l'Istud, placée de groupe dans la foulée. Bravo, belle vente. Bravo.